Salut à toi qui regarde cette vidéo et je te remercie de passer par ici. On va découvrir dans quelques instants tous les mots qui ont été glissés dans cette urne qui représente une graine. Enfin, j'espère que ça se voit. Ça ressemble un peu à un haricot. J'ai été surpris qu'il y ait autant de personnes qui participent à cette expérience. Du coup, je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps d'écrire un petit mot sur ces feuilles et qui ont glissé dans cette urne un message d'espoir et on va les découvrir tout de suite. Il faut croire en vos rêves sans abandonner. Continuez et n'abandonnez pas, c'est en se trompant qu'on réussit. J'espère que vous allez bien. Quoi qu'il arrive dans la vie, tout finira par fleurir un jour. Crois en toi et tu renaîtras. La vie est un long escalier, il y a plusieurs marches. Chaque marche est un défi de la vie, un échec, une souffrance. Le chemin est long, mais il faut prendre son temps pour passer chaque étape de la vie. Les gens de nos jours veulent sauter les étapes, les marches de la vie, mais ils ne feront que tomber. Mais on ne doit jamais abandonner. On tombe pour apprendre à se relever et continuer de vivre malgré les longues et dures étapes de la vie. Dans la vie, il y a des hauts et des bas, mais tu peux t'en sortir. Crois en toi. Il faut savoir que la vie est pleine de belles surprises et que même si on ne se rend pas compte tout de suite, il y a toujours des raisons pour continuer. Croyez en vous, n'abandonnez jamais vos rêves et vos projets. Si quelqu'un d'autre y arrive, vous aussi. Bisous bisous. Souris. Après la pluie vient toujours le beau temps. Que les gens se parlent et communiquent enfin. Je souhaite à tous ceux qui liront ce message de la paix intérieure et dans le monde, la vie est belle. Souriez, les gens vous le rendront. Les gens sont bons, croyez-y. Moi j'y crois et ce mot en est la preuve. Tout est possible si on y croit vraiment. Il y a toujours de l'espoir. Crois toujours en toi, ne perds pas espoir. Ce n'est pas parce que ça va mal aujourd'hui que ton monde va s'arrêter de tourner. Garde espoir en ce que la vie te réserve. La vie peut être dure, insupportable, mais tu es fort, forte. Tu as tenu le coup jusqu'à présent, tu as fait énormément de choses. Je t'aime. Tu es incroyable, je crois en toi, aie confiance en toi, si tu reçois ce message, tu le mérites. Un jour, on m'a annoncé la mort de mon papa. C'était il y a 4 ans, et c'était de loin l'expérience la plus traumatique que j'ai vécue. Dans mon élan de profond déni, j'appelle mon père et il répond. Il y a eu une erreur administrative et deux hommes ont été confondus, la mauvaise famille prévenue. De cette expérience, j'en ai tiré un profond espoir, ainsi que de la gratitude. Ayons espoir. Nous ne sommes pas seuls et profitons de nos proches. Aimons-nous les uns les autres, il ne faut jamais oublier que l'espoir est toujours là, parfois il faut juste ouvrir plus grand les yeux. Merci. Le monde sur lequel nous avons naquis connut le soleil et la pluie, l'air frais et la maladie, les plus sombres et obscures nuits, les plus belles visions du paradis, mais chaque tempête connut son éclaircie.
Il paraît que la vie n'est jamais aussi belle que dans tes rêves. Crois en tes rêves. Tu es une belle personne, ne l'oublie pas. Épanouis-toi, fais ce qu'il te plaît pour toi, pas pour les autres. Réalise tes plus beaux rêves. Je crois en toi, belle personne que tu es. Je t'adore. La main est plus heureuse que celle qui reçoit. Partager l'amour, c'est le plus important. Je pense que la phrase, il manque un petit bout, ça doit être la main qui donne est plus heureuse que celle qui reçoit. Partager l'amour, c'est le plus important. Je ne veux pas parler à la place de la personne qui a écrit, mais il me semble que c'est plus cohérent ainsi. Si tu vis un moment de ta vie qui est difficile, ne lâche pas, accroche-toi, bats-toi. Même les moments les plus sombres finissent par se dissiper. Courage. Serrez-vous les uns avec les autres, pas contre les autres. Tout n'est qu'éphémère, les mauvais moments ne sont que des étapes. Salut! Tu es une personne incroyable. Tu mérites tout ce que tu as accompli et tu réussiras tout ce que tu souhaites accomplir. Un inconnu qui sait que tu es génial. C'est trop mignon. À toutes les personnes qui sont malades dans leur corps ou dans leur cœur, leur tête, il y a toujours de la beauté et de la lumière. Ne laissez pas votre douleur vous les cacher. Vivez tant que vous le pouvez, même quand demain est incertain. Que les personnes du monde entier aient le sourire pendant ces fêtes de Noël. Croyez en vous et en vos projets. Love. La vie est belle. Reste contente, au moins ça, personne ne peut te le prendre. Suis tes rêves, c'est la chose la plus belle à faire dans la vie. Et crois toujours en l'amour, car c'est une des meilleures émotions que la vie peut te donner. Tu n'es pas seul. Beaucoup de monde t'aime, ma poupou. Le dernier mot. Apportez le bonheur et la joie en cette période de Noël. Paix et amour pour tous. Merci. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je suis content de terminer cette année sur une note d'espoir, de partager tous ces mots qui ont été récoltés dans la rue par des inconnus. Pour une fois, j'ai participé à l'expérience et un de ces mots est le mien. Je vous dirai pas lequel. Et c'est juste incroyable. Franchement, je suis très reconnaissant et je remercie encore une fois toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo. Ça ressemble à ce que je voulais partager et je suis content de ne pas le faire tout seul, qu'on le fasse ensemble avec d'autres êtres humains qui vivent dans le même environnement que moi. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je pense que ce qui ressort de cette vidéo, en tout cas moi ce qui m'a touché, c'est tous les messages qui parlent de croire en soi, de croire en ses projets, de vivre sa vie, de vivre ses rêves. C'est un peu ce que je suis en train de faire à travers ce que je partage sur cette chaîne. Et je suis content si ça peut insuffler à d'autres personnes de le faire aussi, de vivre leur propre vie à elles. Et on vous l'a rappelé sur ces messages, croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en vos projets, lâchez pas, n'abandonnez pas. Et je vous souhaite de réussir. Merci pour tous, belle fin d'année à toutes et à tous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!